Il m'occupe des ventes. Si je ne le faisais pas, l'or je pourrirais sur place. Ah, cesse tes boniments. Nous savons tous les deux. C'est la sueur de mon front qui a fait pousser l'orge de ce grenier. Oui, et tu recevras ta part de l'argent quand je le vendrai. Mais tu gardes presque tout. Du millier que tu as gagné le mois dernier, je n'ai reçu que 200. Ce bénéfice est justifié. C'est moi qui ai procédé à la vente et qui ai acquitté l'impôt. De longues heures de marchandage. Toi, le Danois, qui est le plus méritant? Celui qui fait pousser l'orge ou celui qui la vend? C'est l'homme qui plante les graines qui mérite les éloges et la plus grande part de l'argent. Ce Danois a perdu l'esprit? Non, non, j'apprécie qu'un étranger comprenne l'injustice. Mon travail mérite d'être reconnu à sa juste valeur. Je vais te faire boire la célèbre bière qu'on brasse avec mon orge, la douceur de Sébi, comme on l'appelle en ville. C'est vrai. Une situation étendue entre ces deux-là. C'est moins efficace que les abeilles grillées, mais ce n'est pas à moi de dire à l'abbesse comment soigner les malades. Salut à toi, brave paysan. Ah. Je ne sais pas quoi faire tant je suis furieux. Oula. Respire un bon coup. Va boire une bière et profite de ton labeur. L'argent ne remplacera jamais une amitié brisée. Non, je ne peux pas. J'ai le sang trop échauffé. Il faut que les gens sachent. D'où je viens, il n'y a qu'un moyen de régler ceci dans l'honneur. Peut-être pas. Holmgang. Tu as raison. Tant pis pour lui. Je vais en faire de la bouillie. Il va goûter au poing d'un travailleur le chien. C'est bizarre. Allez, viens te battre! Travail, c'est une insulte à ma dignité. Si je dois serrer les poings, je le ferai. Oh que oui! Tu vas souffrir! Femmes respectives qui sont arrivées, mais je sais pas pourquoi. Ils vont se taper dessus pendant combien de temps? Que sommes-nous devenus? De vrais animaux. Que sommes-nous devenus? De vrais animaux. Ils ne font que se disputer. Je me souviens d'une époque où l'orge nous rendait heureux. Nous la prenions en main, la sentions, la frottions sur notre ventre. J'aimerais que nos parents s'entendent comme autrefois. Avant, quand il n'y avait pas de grenier, nous nous partageions l'orge. C'est idiot de se demander qui gagne plus ou moins. Nous avons assez. Ils se battent comme des chiens. Des chiens qui ont oublié pourquoi ils ont commencé à aboyer. Ok. C'est vraiment tentant, hein, mais j'imagine que c'est ça qu'il faut faire. C'est un peu violent quand même. Mon orge. La soupe qui brûle. Comment ça avoir ça. Ils sont contents. C'est fini. Elle ne fait plus que nous séparer. Je trouve un moyen d'aller voir Osana. Nous étions si heureux autrefois. Nous pourrions peut-être retrouver ce bonheur. Recommencer.
Les cloches et les feux, c'est normal. Mais le temps de la course est arrivé. Les vipères ont déjà filé. Dieu les punira un jour ou l'autre. Il faut qu'on élève des chiens. Gros et féroces. Les enfants, vos familles se sont toujours querellées de la sorte. Oui, mais j'espère que ton intervention va changer tout ça. Même si tu as été radical. Tu trouves ? Quand même. Ok. Le bruit sans fin. Les hommes. Radical, tu trouves, à brûler les maisons et, et le grenier pour qu'ils arrêtent de disputer ? Ah, oui. Seigneur et dame. J'annoncerai aux Wufenga que le Seigneur vit parmi eux, dans chaque marque des Néphilim, chaque combat d'autrefois mené par les guerriers géants au profit de Dieu. Ils ont laissé des signes de sa présence sur la terre, pour que nous absorbions sa lumière, la lumière des anges qui a baigné le monde. Je sens son pouvoir. Il m'appelle son aimé, et cela m'apaise. Je réponds par ma communion, ma piété, et deviens une autre de ses voix. Ok, direct un point de compétence. Et du coup... Il est à Leaf. Donc celui-là qui s'occupe des bateaux. Mais bon, ce serait un peu trop facile de penser à lui. Sachant que mon seul indice est un bateau peint en jaune. Territoire découvert, mais je sais pas changer. J'ai échange.
autant d'air qu'une tempête de grêle. On ne peut pas le laisser continuer. Tu as traversé une tempête. Tu n'en as... Hey Ivor, belle journée pour prendre l'air, non? Soma a dit que je te trouverai ici, Leaf. Que prépares-tu? Nous allons débarrasser ce monde d'un prêtre qui vomit des loges pour l'Eldorman et qui remplit les coffres de Wingmund. Notre plan est de nous faufiler et étriper ce prêtre avant de retourner auprès de Soma. Wingmund sera furieux. Comment as-tu rejoint l'armée de Soma? Nous sommes arrivés ensemble sur cette île sous les ordres de Guthrum. Les Saxons nous appelaient la Grande Armée d'été. Lorsque Guthrum est parti pour le Wessex, Soma s'est proposé pour diriger. J'aurais aimé le faire, moi aussi. Que ferais-tu si tu étais le Jarl de Grantbridge? Je dirigerais la ville à ma manière. Je ne donnerais pas autant de poids aux avis de Birna et de Galli. Tu ne leur fais pas confiance? Je n'irai pas jusque-là. C'est plutôt que Birna a les pieds dans le sol et Galin regarde vers le ciel. Si la mort venait nous frapper, je crains que ni l'un ni l'autre ne pourrait nous faire traverser cette épreuve. Tu étais là lorsque Guthrum confia Grantbridge à Soma. Comment as-tu pris cette décision? J'ai été heureux pour elle. Une fois Soma en place, l'argent coulait à flot et les gens dansaient. Elle est douée pour le commerce. J'aurais aimé avoir assez d'audace pour me proposer et endosser le fardeau et l'honneur de la gestion d'une ville. Mais quelle importance! Soma est ma Jarlskona, et j'ai prêté serment. Aucun acte d'aucun dieu ne peut rien y changer. Quelles sont les qualités principales d'un constructeur de navires? La patience et l'amour. Je connais chacun de nos navires comme un père connaît ses enfants. Mais il faut aussi de l'argent. Le bois dur, les étoffes solides, les peintures coûteuses. Par exemple, le jaune que j'utilise, il vient de par-delà les mers. Un prix élevé pour une couleur joyeuse. C'est sûrement pour cela qu'on m'a volé cette peinture il y a quelques semaines. Maudit voleur. Bah ouais, mais qui te l'a volé? Merci pour cette discussion. Allons tuer l'homme de Wingmund. Tu as raison. Offrons sa récompense au chien de Wingmund. Mes guerriers vont distraire les soldats saxons à la porte. Toi et moi, nous allons chercher le prêtre. Qui te l'a volé, ta peinture? Attends... C'est pas par un jaune. Il aurait eu tout ça. Foutre là, il est mort, c'est ça. Voilà. Pour la tête discrète, on y reviendra, je pense. Hein. Mais c'est tout ça dans moi, donc. Tu sais, je préfère les méthodes plus directes. Mais pour toi, je veux bien essayer autre chose. Sex! Question at first night! No! Hey! Mais pourquoi tout ce bruit? Que coule la sueur du combat? Irna pour l'ibum, nous! Chèque! Fléau! Rebrera! Fléau! Cette vermine n'en a plus pour longtemps! Okay.
Ah, je pensais que j'allais ouvrir les portes. Visiblement non. Ok, des Saxons, mais cette église est jolie. Je sais reconnaître le travail. Bah la clé est arrivée là-bas. Sans déconner. Je fais tout pour essayer de l'attraper et... Je peux ouvrir cette porte? Ça marche comment? Non, tu peux descendre, Richesse collecte. C'est terrible. Bah, tu peux sonner l'alerte maintenant, mais c'est un peu tard. C'est fini pour toi! Une clé ici, ici. Il y a deux endroits pour l'avoir ou c'est deux clés différentes? Hey, je vois rien. C'est où ton pofep toi? Oui, je peux pas esquiver. Les meilleurs lanciers qu'on a eu. Je dis ça et mon mec il tape sur le côté. Merci pour ton soutien sans faille, je dois... C'est pas un indice que je cherche. Poudre incendiaire.
Il faut que je reste appuyé sur touche. Côté archerie. Fixation à la flèche d'un petit sachet dispersant une poudre volatile à l'impact. Tout déplacement à proximité enflamme la poudre. Surprenez les passants inconscients du danger. Ils tirent une flèche, ils viennent et boum. Ok. Et pas d'indice supplémentaire. Donc je serai preneur. Dans cette ville, à part un défi de boisson. Peut-être terminé. Mais t'inquiète pas. Hey, Biras est décide et notre strong. Flayos, on the way suelta. Parler à Leaf. Bah ouais, mais qu'est-ce qu'il fait? Ok, il va aller là-bas. Oui. Ah bah, une tyrolienne. Question de l'homme de Wigmund a été vite réglée. Je suis de côté. C'est vrai. Tu as fait la preuve de ton utilité. Je te retrouverai à Grand Bridge. Ok. Et deux nouveaux points de compétence. Nouvelle quête, la puanteur de la traîtrise. Ah oui, mais je sais pas. Aucun des trois sort du lot. Grand-père s'est cogné comme personne. Il lui suffit d'un coup. Son poing a cassé bien des têtes. Il est couvert de cicatrices et de sang séché. Un jour, je serai aussi fort que grand-père. J'arracherai d'un coup la tête des bœufs. Il se sert de ses poings pour nous protéger. Et sa légende grandit chaque jour. Ah, cogner, c'est la vie. D'accord. De qui est-ce que vous parlez comme ça, les petits? De notre grand-père. Fais attention à toi parce qu'il pourrait bien te cogner dessus. Je crois que je devrais pouvoir réussir à lui résister. C'est ce qu'on dit beaucoup de lâches. Mais il lui suffit d'un poing, un coup et bam! C'est comme si sa main était un loup hurlant. Oh, vous avez éveillé ma curiosité. Ah, eh bien, si tu tiens à vivre ta dernière heure... Grand-père, il y a quelqu'un qui veut se faire cogner. Bonjour. Oui, je possède une force incroyable, mais il n'y a pas de quoi en faire toute une histoire. Si tu es un dringue, nous devrions nous raconter nos récits de combat, une coupe d'hydromel à la main, autour d'un feu. Tu veux un petit conseil? N'entre pas dans la légende comme je l'ai fait. Ma force de cogneur est une malédiction. Ces enfants m'ont rendu curieux. Ton calme et ton détachement encore plus. Ah, je t'en prie. Nul besoin que ceci prenne la tournure que je sens que tu as en tête. Tu ferais mieux de partir si tu ne veux pas te moucher par l'arrière du crâne. Hé, les enfants, arrêtez un peu. Papy n'a absolument pas envie de se battre. J'ai vraiment envie de te voir cogner, et découvrir si je peux mieux faire. Oh, tout cela n'apportera rien de bon à personne.
Tu es fini. Ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Tu vas le regretter. Et puis moi aussi. Oh, ainsi se passent mes jours. Oh, je suis fatigué. Ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Tu vas le regretter. Moi aussi. Ça va être long. Mais si je prends un seul coup, je sais pas quoi ce que ça va donner. Oh, ainsi se passent mes journées. Les gamins, vous mettez pas entre deux. Ce serait con de prendre un point perdu. Oh, je suis fatigué. Ainsi se passent mes journées. Ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Ah, je vais regretter. Moi aussi. Il est lent, c'est l'avantage en fait. Non, essoufflé. Oh, je suis fatigué. En fait, les gamins, c'est un piège, ça me bloque. Oh, ainsi se passent mes journées. Ne viens pas dire que je ne t'ai pas prévenu. Tu vas le regretter. Et puis moi aussi. Et c'est fini. J'avais jamais battu. Je n'en reviens pas. Ça alors, je n'aurais jamais cru ça possible. Tu as cogné mieux que moi. Tu peux accéder au trésor que j'ai accumulé au fil des ans, à force de cogner. De bien tristes récompenses. Oh. Le trésor qu'il a promis. Il a amassé un océan de richesses en cognant. Les enfants gardaient ce qu'il avait gagné en cognant. Le cogneur, ok. Il n'y avait rien à ajouter. Béduche. Ah oui. Ok. Peut-être augmenter les deux points de compétence en supplémentaire. Nouvelle branche qui donne plus de PV, soin de la dernière chance. Si votre santé atteint le niveau critique, oh, ça il me le faut. Il me le faut. Hop, un artefact ici. Regardez si autre chose en est. Qui Wiltu Onala. Hé, arrête tes bêtises.